Zombie apocalypse. Yo tout le monde, c'est Brian et bienvenue sur ma chaîne Flower Dine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Daigon. Donc je vais vous faire voir tous les emplacements des nids de zombies pour ceux qui ont du mal à le trouver. Bah, comme sur l'image, de toute façon vous pouvez voir un peu déjà à quoi ça ressemble le nid. Du coup, il y a trois zones qu'on va découvrir. Donc c'est parti. Alors pour le tout premier nid qui se trouve dans cette zone ici à détruire, il se trouve juste là. Là on est, comme vous pouvez voir le petit point. Donc c'est un tout petit nid, c'est celui qui est juste là. Voilà, donc moi il a déjà été détruit. Bon, on va passer au deuxième. Donc voilà, donc là c'est le deuxième nid qu'on peut trouver juste ici. Alors je vais vous faire voir pour cette base là, là où vous devez détruire les nids, vous en avez trois. Donc le deuxième est ici. Donc on va, là je vais le détruire et puis après je vais vous faire voir où se trouve le troisième. Alors là je viens d'arriver au troisième nid, bah, toujours dans la même base, hein. Ça se trouve toujours par ici. Du coup c'est juste là où on est. Donc là vous avez une forêt et puis vous avez juste un petit trou ici. Donc vous mettez votre emplacement à peu près au même endroit que le mien. Et en fait le nid se trouve juste là. Donc c'est celui qui est là. Bah là je viens de le détruire. Alors du coup on se retrouve ici dans cette partie-là. Donc moi ils sont indiqués. Je ne sais pas si vous ça sera indiqué aussi. Alors on en a un qui est juste là. Je suis juste à côté. Alors il est juste là. De toute façon, vous pouvez voir après sur la carte à peu près où ça se trouve, si en cas où c'est pas indiqué sur la vôtre. Donc moi je suis juste ici. Hop, on va le détruire maintenant. Donc surtout les cocktails Molotov, bien les lancer là où il y a de la paille. Hein. Et si on peut éviter le combat, moi c'est pour ça que je me barre à chaque fois. Alors, le deuxième nid, il se trouve. Bah moi il est toujours indiqué en fait. Donc ça doit être ici, enfin ils m'ont mis le point un peu plus loin je crois. Donc voilà, donc moi je suis ici, je suis monté sur un bâtiment. Et en fait c'est sneaké là. Alors on va reprendre le cocktail. Alors, comme d'hab, toujours bien lancer là où ça prend feu. Hop! Et normalement les Alors, ça zombies vous ne plaît, voient hein? pas. Venez, bande de fils de pute, amenez-vous! Alors là on vient d'arriver au troisième. On va le lancer apparemment ici, ça m'a l'air de bien brûler. Hop! Donc voilà, donc en fait les derniers nids, ils se trouvent à l'intérieur du bâtiment, donc vous en avez un là, le plus gros ici, et après vous avez le dernier qui est juste là en face. Ah merde, ok, bah j'ai plus de vie. Bon, on va cramer celui-là déjà. Hop. Allez les gars. On va finir de détruire les deux nids que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc j'avais dit qu'il y en avait un là. Hop. Je vais vous réchauffer. Voilà. Et du coup, le dernier, il est là. Hop là. Il commence à crier dehors, je me suis dit que j'allais. Bon, du coup, on se retrouve dans la troisième zone, juste ici. Alors, du coup, la maison. Alors, moi, je suis là. Et en fait, le nid, il est juste là. C'est celui qui est là dans la petite maison là. Du coup, on va essayer d'y aller, on va se rapprocher. Hop, voilà. Pas mal. Donc du coup, bah, toujours dans cette zone-là. Donc là, je viens de faire le tour, j'ai trouvé les 4. Donc il y a celui que je vous ai fait voir. C'est ici, la petite maison. Après, vous longez la petite maison, c'est juste ici. Alors le nid il est juste là, vous pouvez voir de toute façon c'est tout dégueulasse à l'intérieur. Donc hop, comme d'habitude, le cocktail Molotov, hop. Les zombies vont sortir. Allez! Voilà. Donc hop, on va recharger ça. Donc le troisième il est juste là. La petite maison, vous descendez un peu plus bas. Donc c'est celui qui est là. Hop. Voilà. Donc là après, vous relongez la maison. Vous allez par là. Et le dernier, il se trouve juste ici.
cette fenêtre là. Hop. Et voilà. Et là vous avez le dernier. Et je risque de crever. Hop, la K. Oh ben voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous a aidé à justement trouver tous les nids. Il y a une deuxième partie qui viendra parce que j'ai vu qu'il y avait encore deux zones à faire. Faudra que je regarde entièrement la map s'il n'y en a pas une troisième. Bon ben voilà. Donc n'oublie pas le petit pouce bleu justement si t'as aimé la vidéo, de marquer un petit commentaire pour savoir si la vidéo a bien été expliquée, etc. pour trouver tous les nids. Et puis ben, n'oublie pas le petit partage qui fait plaisir. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine fois. Salut!